Polygram Vidéo présente Pour l'amour de Benji. Retrouve Benji, ton chien Benji préféré, dans un grand film inédit Pour l'amour de Benji, en vidéocassette. Polygram Vidéo présente Benji, sa première aventure. Le film qui a fait de Benji notre star préféré. Retrouve la première aventure de Benji en vidéocassette. Benji au travail, troisième. Benji au travail, réalisé par Joe Kahn. Avec Adam Rich, invité spécial de Benji. Frank Hill, le dresseur de Benji. Joe Kahn, metteur en scène et producteur. Et avec les amis de Benji, Chevy Chase, Omar Sharif, Jane Seymour, et en vedette, le personnage le plus adorable qui soit, Benji. C'était parfait. C'est très bien, c'était tout à fait réussi. Vous pouvez le tenir un instant, on va le préparer pour la scène suivante. Apportez-lui de l'eau. Je suis prêt. Comme tous les acteurs, Benji passe beaucoup de temps sur les plateaux à faire et à refaire les scènes jusqu'à ce que tout soit parfait. Mais un film commence pas quand on arrive au studio. Un acteur doit passer beaucoup de temps en répétition. Et Benji fait pas exception. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est le coup de la poste quand le chien doit atteindre et attraper la lettre. Ah, je m'en souviens, oui. Il faut qu'il soit sur le dessus. Vous avez vérifié si la hauteur est bonne, Derek? Dans son prochain film, qui devrait s'appeler « Auquel chien merveilleux », il y a une scène où Benji doit attraper une lettre par la fente de la boîte avant qu'Omar Sharif n'arrive à ouvrir la boîte à lettres sur le devant. Pas étonnant que Benji passe autant de temps à répéter sa scène. Très bien, voyons comment tu fais, Benji. Allez, Benji, tu vas essayer. Très bien, à l'intérieur, allez, prends la lettre, sors-la, dépêche. Attrape-la, allez, sors-la. Essaye encore, allez, attrape-la, et sors-la. Entre la tête, bien, attrape-la, vas-y, attrape-la, lâche pas. Oui, bien. Fantastique, il est génial. Maintenant, interdit. Très bien. Gratte-toi, t'as des puces. Benji et son dresseur, ou plutôt son entraîneur, travaillent ensemble tous les jours. Oui, tourne-toi sur toi, allez. Comme la plupart des chiens, Benji aime faire plaisir aux gens, mais plus particulièrement Monsieur Hin. Maintenant, salut. Et tu baisses la tête. C'est probablement grâce à ce travail que Benji est si parfait à l'écran. Avec ta patte. Oui. Qu'il s'arrête. Reste où tu es. Il faut qu'il regarde par là-bas, de votre côté. Benji. C'est très bien. Maintenant, il faut qu'il descende. Vous le faites descendre, allez. Allez, tu descends. Saute, saute, allez, descends, allez, saute. Très bien. Doucement, avant. Allez, saute, saute. Avancez bien. Allez, grimpe là-dessus, là. La plupart du temps, Benji travaille dans son jardin. Mais il arrive que sa carrière l'oblige à voyager et elle l'a même emmené partout dans le monde. Saute. Merci, Jimmy. Vous voyez, le maquillage est très important pour un acteur. Ça l'aide à apparaître aussi bien que possible sur l'écran. Eh bien, je vais vous apprendre une chose qui va vous surprendre. Benji aussi passe au maquillage. Pas vraiment, du moins pas comme pour toi. On le brosse juste un peu, qu'il ait l'air naturel. On lui met des gouttes spéciales pour que ses yeux soient clairs et brillants.
Oui, c'est vrai. Mais lui, au moins, il n'a pas à faire des essayages pour ses costumes. Eh bien, justement, détrompe-toi. J'ai reçu un appel qui invite Benji à aller au centre spatial et ils veulent qu'il porte une véritable tenue d'astronaute. Et le drapeau va être bien visible? Oui, on va avoir le drapeau placé ici, assez gros. Il sera brodé et les couleurs ressortiront bien sur le blanc. Et puis son nom au-dessus, en rouge, la même chose des deux côtés. Il a un genre de col qui vient là, c'est ça? Oui, il va en avoir un genre de col large, passez-moi ça. Enfin, c'est à peu près la forme qu'il aura. Il sera environ de cette épaisseur quand il sera fini, à part qu'il y aura là une petite partie, un genre de rebord qui ressortira et qui sera de couleur noire. Ça donnera à peu près ça. On risque d'avoir un problème quand il sera là-dedans et qu'il aura le casque sur la tête. Personne ne pourra savoir qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça couvre son nom. Non, vous voyez. Non, le nom restera bien il en vue. Il puisse bouger, il ne faut pas que ce soit trop serré. Hein. Oui, il sera tout à fait à l'aise, il pourra remuer la tête de tous les côtés, de même pour les pattes. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck? Ça me paraît bien, on va essayer. Je pense quelquefois que Benji est prêt à tout essayer, ou presque. En ce moment, quand il n'est pas en voyage, il s'entraîne pour un show qui passera à la télévision dans quelques temps. Ça s'appellera Benji à Marineland. Joe Camp a eu l'idée de le filmer à Marineland. Franck et Benji vont avoir du pain sur la planche, c'est la première fois que Benji va dans l'eau. Vas-y Benji, saute! Saute! Viens! Attrape la corde, attrape-la! Maintenant, viens vers moi, apporte, oui, apporte là, ici, apporte, apporte, apporte! La première chose que j'ai faite, c'est d'offrir à Benji sa propre piscine. Ensuite, il a appris à plonger, à nager, et puis à jouer dans l'eau avec Tiffany. Peu à peu, c'est devenu une habitude d'aller nager tous les jours, et ça lui plaisait vraiment. Maintenant, ramène Tiffany, remonte sur le bord, allez. Ramène-la, Benji, grimpe sur le bord. Avance, avance encore, tire la corde. Tiffany, saute. Bien, à là-bas. Voilà, bien. Pour voir comment Benji se comporterait avec les énormes dauphins, Franck l'emmena à Marineland, en Floride. Attention, elle part du coin du bassin, prend de la vitesse, la voilà au centre, admirez ce double saut périlleux. T'as vu ça? T'as vu ça? Alors, qu'est-ce que tu en penses, hein? Les voilà à trois maintenant. Ils prennent de la vitesse et hop, à travers les anneaux. Alors, Benji, qu'est-ce que tu en dis? Et maintenant, voilà Pancho qui veut jouer au ballon. Il a envie qu'on lui lance. Allez, recule, Pancho, recule et attrape. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, avec la queue, bravo, Pancho, quel tir magnifique! Et voilà la première corde passée, et hop, on saute la seconde, bravo! Superbe! Comme vous le savez, il y a eu pas mal de duettistes célèbres dans le show business, comme les frères Ennemi, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, mais rien de comparable avec le duo Benji et Lily Champagne. Approche, Lily, approche. Viens voir Benji. Regarde comme elle est jolie, Benji. Elle est presque de la même couleur que toi. Benji n'avait pas l'air très heureux de rencontrer Lily. Je le comprends un peu. Lily est énorme, plus grosse que moi. Je suis pas une demi-portion. Approche, 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 Lily. Ah, c'est bien. Bouge pas, Benji. C'est bien. Assieds-toi. T'en vas pas te faire de mal, tu vois. Viens ici, Lily. Ici. Allez, viens là. Approche. Et monte. Saute. Viens. Avant que Benji ne commence à travailler dans l'eau avec les dauphins, Franck avait décidé de les faire sauter ensemble, mais Benji restait au sec. Attends, lève-le un peu. Oui, encore un peu plus haut. Oui, comme ça. C'est bon. Nous, on est prêts. Saute. Ah, c'est bon, c'est très bien. Debout, Benji. Bouge un peu, on va voir si ça va. C'est bien. Attends une minute. Reste debout. Tire-le un peu et fais demi-tour là. Reste debout, Benji. Reste debout. Fais demi-tour et ramène-le là. Bouge pas. Reste bien droit. Reste. Maintenant, tire-le. Tire-le vite. Encore plus. Reste droit, Benji. Reste. Fais demi-tour rapidement et ramène-le encore plus vite là. Reste debout, Benji. Reste droit. Là, fais demi-tour. Très vite. Ramène-le vite. Allez, allez, dépêche-toi. Oui, comme ça, c'est bon. Bien, Benji, reste debout. Plus vite, là. Reste droit. Le grand jour arriva, Benji se retrouva dans l'eau avec les dauphins. Oui, je sais pas, il va peut-être rester debout, il va peut-être tomber, ça on va le découvrir ensemble, mais il sait bien nager. Attention, Benji, reste droit. C'est bien, reste debout. C'est parti, là, reste. Thank you.
dès qu'on est un bon acteur, on vous envoie sans arrêt dans plein d'endroits qu'on connaît pas. Pas vrai, Benji? J'ai quelque chose à vous montrer. Benji va apparaître dans un nouveau show l'an prochain. Il jouera le rôle d'un nouveau personnage, le capitaine Caneuf. Voilà le capitaine Caneuf. C'est une comédie. Regardez comme il est fier. Capitaine Caneuf, dormez-moi. Bravo. Je suis ravi de vous voir tous. Bonjour. Beaucoup doivent penser qu'une conférence de presse avec une grande vedette comme Chevy Chase n'est rien comparé au travail. Mais pour des acteurs comme Benji et moi, c'est un boulot drôlement important. Y a-t-il des questions pour mon petit copain ici? Benji et Chevy sont là pour annoncer qu'ils vont faire un film ensemble et que ce sera une comédie. Croyez-le ou non, ils jouent le même rôle. Je croyais que Benji était un berger d'Écosse et j'ai peur que son costume ne soit juste. Malgré tout, j'ai hâte de commencer et j'ai cru comprendre que toi aussi. Très bien. Une conférence de presse n'est pas aussi facile que vous pouvez l'imaginer, et spécialement pour quelqu'un qui a un vocabulaire limité comme Benji. Mais je sais pas comment il fait, mais c'est lui qui a la vedette à chaque fois. Il est amusant. Nous discutions tout à l'heure à propos de la nature du contrat. Et je n'oublierai jamais comment Benji m'a léché dans la bouche. Vous voulez savoir comment ça sentait? Mauvais. Benji, salut! C'est bien! Mon agent essaie de m'en faire faire autant depuis des années. Reste là, reste. Voilà enfin la récompense de ces longs mois de travail. Derek, t'es prêt? Ouais. Un tournage peut être quelque chose de très amusant, mais c'est aussi très angoissant quand on se rend compte que beaucoup de gens dépendent de vous et que vous n'avez pas le droit de les laisser tomber. Vous préparez à envoyer l'action à l'arrière-plan. Attention, moteur! Allez! Ça tourne! Fonce, fonce! Benji, Benji! Allez, viens vite, Benji! Benji, 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 viens! Reste! Allez, fonce, Benji, fonce! Appelle-le, Jenny, file! Va là-bas, va! Benji, Benji, Benji! Allez, va-t'en! Benji, va là-bas! Allez, fonce, fonce! Va là-bas, va là-bas! Non, Benji, là-bas! Coupé! Va falloir qu'on revoie la scène, il a failli passer sous une voiture. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec Benji, et j'ai observé la façon dont Frank s'y prend. Et quelquefois, quand il faut plus d'une personne pour le mettre dans l'ambiance, ou bien pour le faire réagir, c'est à moi que Frank demande de l'aider. Ouais, j'y vais. Vous l'avez appelé, je lui dis de rester parce que la voiture arrivait. Benji m'obéit bien si Frank lui donne le feu vert. Mais en règle générale, et c'est normal, Benji n'obéit à personne d'autre qu'à Frank. Sauf si celui-ci lui ordonne de le faire. Joe, quand mon metteur en scène, tu sais, quand il me demande d'avoir l'air triste, il me raconte quelque chose qui n'est pas très gai. Et alors, en général, ça me rend plus triste encore. Sinon, quand il veut que je sois heureux, il me dit quelque chose de bien. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous faites avec Benji. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il soit triste ou heureux? Eh bien, tu sais, c'est à peu près la même façon d'opérer qu'avec toi. Enfin, plus ou moins. Seulement, il faut que Benji et Frank soient là pour y arriver. Quand Benji a besoin de... Quand il doit frétiller, alors Frank connaît un moyen pour le mettre dans cet état rapidement. Et pour ça, il utilise un stimulus. Benji a un petit cochon d'Inde et il aime s'amuser avec lui. Et quand son petit ami est là, il est tout heureux. Et puis s'assoit. Pour le rendre triste, il a trouvé un moyen, et c'est très intéressant. Il lui a vraiment appris à avoir l'air triste. Je me souviens, il lui répétait sans cesse « J'ai honte de toi. Tu n'es qu'un vilain chien. » Mais après un certain temps, Benji, qui au début croyait qu'il avait vraiment été vilain, donc après un certain temps, il a réellement compris qu'il jouait la comédie.
J'ai honte de toi. Tu es un vilain chien, j'ai honte de toi. Tu vois la différence dans son attitude? J'ai honte de toi, allez, baisse la tête. Regarde comme il a l'air malheureux maintenant, regarde. C'est pas génial. C'est étonnant. Allez, redresse-toi, c'est fini. Tu es un très gentil chien. Oui, un gentil chien, là, tiens. C'est absolument fabuleux. On va voir comment ça se passe. Je crois qu'il a compris cette fois. Bien entendu, quand les films sont projetés dans les salles du monde entier, les fans de Benji ne se rendent pas compte de tous les problèmes et de toutes les difficultés du tournage. Ça paraît tellement simple quand tout est terminé. Silence, moteur. Benji, Benji, Benji. Viens vite, allez, viens Benji, fonce. Viens. La même chose que si j'avais un chien que j'aime, que je caresse, que j'emporte avec moi et qui me console quand je suis triste. Avec Benji, il y a aussi le travail et je vous assure que là aussi, il est exceptionnel. Il vole la vedette aux autres comédiens. Benji, Benji. Pshh, 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 pshh. Benji, attends. Benji, reste là. Benji, Benji, viens vite ici, Benji, Benji, approche là. Allez, viens, encore, encore. Ouais. Lève la tête. Coupé. Benji. C'est bien ce que tu as fait. Je le rencontre pratiquement sans arrêt. Parce que vous voyez, c'est Benji qui a fait une enquête pour son propre compte. Sur un meurtre. Je veux dire, c'est Chevy Chase qui a été tué au début. Il est revenu sous la forme de Benji. Il enquêtait donc sur son propre meurtre. Alors il cherche partout, il renifle partout pour savoir qui a fait le coup. Et je tombe souvent nez à nez avec lui et ça m'inquiète parce que je n'ai pas la conscience tout à fait claire dans ce film. Ça pourrait marcher, j'en suis sûr, en introduisant un élément de surprise. Si par exemple vous faites un pas en disant « Va en arrière, va, 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 va !» Je pense qu'à ce moment-là, il ne s'assiera pas, il marquera un temps d'arrêt et qu'après le moment de surprise passé, il obéira aux ordres en regardant celui qui les a donnés. C'est une bonne idée, je crois qu'on devrait essayer. C'est la première fois que je travaille avec un animal et je suis ravi que ce soit un chien. Si vous voulez bien, on va aller là-bas, je vais vous montrer comment faire. Il est, comment dire, quasiment humain. Ça pose d'ailleurs un sacré problème car il devient quelquefois trop malin. Il lui arrive, quand il a tourné une scène à deux ou trois reprises, de savoir comment elle fonctionne, ce qui va arriver, ce qu'il a exactement à faire. Je crois qu'il est très intelligent. Va, 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 va. Très bien, c'est parfait. Va, 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 va. Très bien. Bien, allez, viens ici, Benji. Va, 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 va. Va, 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 va. Oui, c'est bien. Ici, va, 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 va. Bravo. Bien, Benji, saute. La clé pour bien jouer la comédie, c'est quand l'acteur peut et est capable de penser à quelque chose, de ressentir quelque chose qui va le pousser à pouvoir exprimer son émotion totalement sans retenue. Il la ressent avec tout son corps. Il n'est pas juste en train de jouer ou encore pire, de faire semblant. Et c'est pratiquement ce que Frank et Benji ont réussi à faire, à provoquer ce stimulus qui fait que Benji réussit à sentir vraiment ce que le script demande. Dans cette scène tirée de son second film, il est poursuivi à travers toute la ville par un homme qui veut le tuer. Il se réfugie dans cette cabane pour se cacher et se reposer. Il doit nous faire croire qu'il est fatigué et au fur et à mesure que la scène se déroule, qu'il a peur. C'est un merveilleux acteur. Bientôt, on lui demandera des conseils. Benji, Benji! Benji, Benji, vite! Allez, viens, viens! Allez! Coupez, 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 coupez.
au moment où la voiture passe, juste quand elle est entre vous et le chien commençait à l'appeler, c'est quand la voiture est là qu'elle disparaît sur du champ. Sur le tournage, Chocan commence tout d'abord par expliquer la scène à Franck et il laisse Franck expliquer l'action à Benji. Ce n'est pas toujours facile. Très bien, on va le faire essayer. Allez, file, va te cacher là, va te cacher, dépêche-toi! Ce film est très différent de tous ceux que Benji a tournés. En général, il jouait juste son propre rôle. Là, on lui demande d'être un personnage, exactement comme on le demande à tout acteur. Reste là, reste. Tu restes là. Tiens, c'est bien. Tu bouges pas, hein? Ah, tenez-vous prêt. Écartez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes prêt à la tourner maintenant, Joe? Ok, et... action! Benji, c'était très bien. Tiens. J'arrive pas à le croire, ça a marché. Oui, c'est bien. Allez, saute, saute. C'est toi le meilleur. Est-ce que vous vous rendez compte, ce petit coquin a réussi à la tourner. Spending my days, finding ways to make you smile. T'es quelqu'un, tu sais. Trying to put that sparkle back in your eyes. Très bien. Spending my time trying to find just how to let you know that whenever you're on my mind, I found what I wanna find. Doing my best, trying to guess just what you need. Hoping to see the laughter I've seen before. Day after day, finding new ways to make you understand that whenever I see your smile, it's suddenly all worthwhile. Ça suffit comme ça pour aujourd'hui. T'as assez travaillé. Benji doit se demander de temps en temps où tout ça va le conduire. Un film l'oblige à faire une tournée. Une tournée lui offre un nouveau script. Un nouveau script veut dire des répétitions. Et c'est reparti pour un film. Mais être une star et même une à quatre pattes, c'est ça, mais Benji et moi, on ne s'en plaint pas. Hein, Benji? Bonsoir.